bonne proposition. Maintenant, on est dans l'obligation. Et quand on est dans l'obligation, c'est un aveu de faiblesse. C'est parce que vous n'avez pas été à la hauteur. Et donc, vous obligez les gens et vous les menacez de licenciement. C'est quand même quelque chose de très, très grave parce que pendant toute cette période, tout le monde a mal vécu cette période, y compris des salariés qui étaient en temps partiel, y compris des salariés qui recherchaient des emplois et qui n'ont pas trouvé d'emploi. Et là, on dit par la menace, si vous n'êtes pas vacciné, vous serez complètement licencié. C'est inadmissible de la part d'un gouvernement. Je pense que la meilleure méthode, c'est d'essayer de trouver des solutions, comme on les propose ici, comme tous les députés le proposent, mais à chaque fois, vous n'écoutez pas, vous écoutez que vous. Vous, jamais vous remettez en cause. Jamais ce gouvernement se remet en cause. Ça fait le neuvième texte qu'on discute concernant les mesures sanitaires et c'est toujours la même chose, c'est toujours les mêmes langages, les mêmes éléments de langage et à chaque fois vous êtes droit dans vos bottes et vous ne bougez pas. Et on va se retrouver avec un dixième texte dans quelques temps et vous direz la même chose. C'est inadmissible. C'est